Et salut à tous, c'est GGKunKiller et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour l'épisode 5 de mon aventure suivie sur Minecraft, comme je viens de le dire. Plus précisément pour l'aventure un clown dans la jungle. Alors qu'est-ce qu'il vient de me dire? A new version. Ok. Je m'en fous, je la téléchargerai plus tard. Parce que voilà, j'ai 3D items. Je sais pas si vous connaissez, c'est un truc qui permet de, quand vous posez un objet par terre ou quoi, bah il est en 3D. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est un petit peu plus joli. Bon, voilà. Donc, alors au dernier épisode, on a fait ce. Ah, 1, 2, 3, cet étage-ci. Au quatrième épisode, on a fait cet étage-ci. Au troisième, on avait commencé à faire la plantation là. Et ben dans celui-ci, on va devoir aller rechercher de la bouse. Merde, on me parle sur Skype. Excusez-moi, je fais une petite interruption. Voilà où je me suis mis en me parlant dérangé. Et en plus, il y a un arbre qui vient de pousser juste à côté de ma face. Donc, j'ai une bouse à la main. Je sais pas pourquoi je l'ai mise dans ma main d'ailleurs. Je me rends compte que j'avais fait une pelle. Donc, on va aller choper de la bouse par terre. Hein. On va ramasser du caca. Et oui, parce que bon, on est dans un cas un petit peu désespéré, donc il faut manger du caca en ce temps de désastre sur Minecraft. Donc nous allons récolter du caca en direct live. Voilà, c'est parti. Récolte de caca en cours. Donc on va récolter une bonne petite masse de caca, hein, environ 64 tonnes, qu'on puisse faire un beau petit truc moche de caca dans les airs. Qu'on puisse y planter les arbres dessus, hein, parce que le caca c'est du bon engrais, c'est toujours pratique. Donc ce caca va nous permettre à faire planter les arbres plus rapidement, enfin surtout plus facilement, parce que si on n'a pas de caca, pas d'arbres, ça me paraît logique. Alors oui, alors est-ce que j'ai un stack? Presque. On va creuser un petit peu dans la montagne, on va couper en dessous des arbres. Et grâce à la physique, il ne tombe pas. Merci, merci Dieu. Merci Notch. Voilà, nous avons 64 tonnes de caca. Nous pouvons donc maintenant remonter dans notre petit arbre et étaler les 64 tonnes de caca dans les airs. Voilà, bon, ça va tenir grâce, grâce à la physique. Hein. La physique, c'est bien connu. Le caca, ça tient dans les airs. Alors, donc, après cette courte parenthèse, nous allons aller étaler ce caca. Voilà, bon, il faut un petit peu monter l'arbre. Voilà. Donc nous allons marcher un petit peu sur le caca. Alors je vais récolter les arbres qui poussent eux-mêmes sur le caca. Je le répète encore. Et voilà. Donc nous récoltons les petits arbres. Parce que là ils vont un petit peu me déranger. Ils sont un petit peu dans mon chemin. Alors est-ce que j'ai des pousses d'arbres neutres? Enfin normal. Oui mais non. Mais je vais plutôt faire ceci, ça m'intéresse plus, quoique pour diversifier un petit peu parfois c'est intéressant, mais c'est pas grave. Bon, de toute façon toutes ces feuilles vont tomber elles-mêmes. Je vais prendre vite d'ailleurs ceci histoire que je ne perde pas toutes les pousses d'arbres que je vais pouvoir s'il y avait moyen de pas avoir de petits bugs du genre, ce serait plutôt sympa. Donc je disais donc qu'on allait se faire un petit étalement de bouse assez moche dans les airs. Bon, ça va être moche, mais bon, vu d'en bas c'est pas trop grave. On va faire ça pour notre bien. Hop, alors ici on va encore agrandir. Oh, là je me trompe tout le temps, ça ne va pas. Alors j'ai vu que pour certains ça avait plu et pour certains pas, mais en tout cas ça avait l'air de plaire à un large public, si je puis dire. La minute tuto de Tonton Neutron, et c'est pas fini, hein, dès qu'on retrouve de l'inspiration, on vous en sort de nouveaux épisodes, mais il nous faut de l'inspiration, quoi. C'est autant à moi qu'à Tonton Neutron, parce qu'on est à deux à bon, surtout c'est pour le moment c'est surtout lui qui a écrit les petites vannes, mais quand je peux en trouver, je lui dis et il nous fait ça, parce que c'est pas ma voix, hein, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, enfin
C'est pas ça, hein. On peut se tromper, hein, on l'a dit. Mais non, c'est pas moi qui fais la voix de Tonton Neutron. C'est pas moi, Tonton Neutron. C'est un ami. Alors ça, je vais le planter là. Bon, c'est pas très bien disposé. Je pourrais faire ça mieux que ça. Bah d'ailleurs, je vais le faire mieux, allez. Soyons fous. On va tout retirer. On va même... Enfin, on va tout raser, en fait. Ouais, on va tout raser. Hop. Voilà. On va commencer, d'ailleurs, à étaler les 8 tonnes de bouse qui nous reste. Voilà. Alors, nous allons couper ceci. Donc, on va... Ah, attendez, je crois que j'ai une hache. Ben non, c'était pas ça qu'il fallait que je répare. C'était l'épée. Bon, bah, tant pis. Donc, je suis sur la 1.4.2, désormais. Alors, j'arrête dans 10 minutes. Ok, ça va. Ok, donc, j'ai tout récolté. Maintenant, on va retirer la torche aussi. On va en poser quelques-unes sur les côtés. Genre ici. Là. Là, bon, c'est pas ce qui fait le plus de lumière. Je vais en rajouter sur le sol aussi après. Une fois que j'aurai posé mes arbres. Donc je vais en poser, si possible, pas trop au bord. Un là, un là. Un là. À la limite, voilà, comme ça. Et tout le temps comme ça. Bon, je vais pas en avoir assez à chaque fois, évidemment. Pour être sûr que ça pousse, je vais quand même les espacer. Je vais faire gaffe à pas tomber. J'ai combien d'écart? 1, 2, hop, comme ça, voilà. Bon, c'est sûrement pas la technique la plus magnifique, mais bon. Ah, et là, j'ai switché sur les... Ouais, j'ai quelques modes, je sais pas si c'est le mode qui a fait ça, mais j'ai switché directement sur les autres pousses d'arbres. C'est pas grave, on va les planter, et voilà. Donc voilà, là, on a une belle petite plantation... Hop, à la limite, je vais en remplacer un. Donc je peux, quand je saurai, voilà. Bon, il y en a encore, peut-être encore qui vont tomber, mais enfin bon. Voilà. Donc là, on a une plantation déjà un petit peu plus correcte. Espérons que ça pousse, bien. Donc voilà, alors ça c'est fait. Alors de ce côté-ci, on va devoir aller récolter d'autres tonnes de bouse, histoire de nous faire un champ. Ou alors on fera peut-être ça... Ouais, non, je vais faire ça dans un bâtiment. Et je vais peut-être... Ouais, je vais faire ça dans un bâtiment. Et je le ferai sûrement ici. Et je le relierai à la maison. Je trouverai bien quelque chose. Il y a peut-être moyen de faire une porte et faire une petite passerelle ou quoi, bien sympathique. Donc ici. Ici je m'étais dit que j'allais faire un étage. Donc là j'ai un peu de bûche, je vois. Donc je vais me faire un petit peu de planche. Comme ça j'en ai un petit peu en stock. Est-ce que j'ai des escaliers? Ah, des escaliers dans mon coffre. Non. Bon, les escaliers de toute façon je vais les faire en bois comme ça. Pour diversifier quand même un tout petit peu. Déjà que c'est pas top top, hein, vous avez pu remarquer que ma maison est vraiment pas super belle. Bon, c'est pas le but, mais voilà, c'est plus le but de survivre dans la jungle et de se faire un truc assez convenable. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est commencer le petit bâtiment pour ce qui est du blé et tout ça, en sachant que je vais rehausser ce bâtiment. Hop, hop, hop. On va peut-être faire du cacao aussi, mais pour faire du cacao, de toute façon, il faut du blé. Donc voilà, on va faire ça en... On va mettre la bouse encore par-dessus et tout ça. Donc ça va être un petit peu spécial, mais c'est pour pas faire deux couches de bouse. Et histoire que ce soit quand même un petit peu joli. Ça, c'est chiant ce bug. C'est chiant. Je ferai gaffe à pas laisser trop. Appuyer longtemps parce que je pense que c'est un peu, je suis pas sûr, peut-être que je reste appuyé trop longtemps et que ça en pousse deux, je sais pas. Bon, donc ici il faut que j'arrive jusque là. Là je vais aller passer la nuit peut-être, histoire que je, même si c'est bien éclairé ici, j'ai pas envie de rencontrer un monstre. Donc je vais aller passer la nuit. Ah oui, j'ai oublié de poser des torches. Bon écoutez, je vais en poser une ici, une là. Je vais encore en faire une ou deux. J'ai 4 charbons sur... Oh! Hop là. Bon, c'est pas beaucoup de fer, mais enfin bon. Faudra qu'on aille miner, c'est vrai ça. Hop. Oui, on va s'occuper avec ce bois. Ce bois-ci, à mon avis, je vais avoir un stack... ouais, tout juste plus. Hop. 4 bâtons. Et voilà. Alors. Ah bah ça pousse déjà. Et on va mettre une torche encore ici, voilà.
On va commencer à éclairer aussi ici sur le côté. Genre, on va foutre une torche là. Voilà. Et on va passer la nuit. Hop là. Ah d'accord, il va me le rappeler. Ah bah non, non, oui. C'est juste, on voit le chat. Donc on voit sur Raise Minimap en haut, là ça commence à prendre une petite ampleur, c'est sympa. Donc voilà, on a déjà deux arbres de poussée d'après ce que j'ai vu sur Raise. Ouais, c'est bien, en plus ils sont bien hauts. Ça peut être une bonne récolte. Pom pom pom, donc oui, ici je compte bien me faire une culture de blé. Donc ça, on va péter. À mon avis, ma hache va pas tarder à rendre l'âme. Là, je vais faire une petite porte. Hop. Oula. Voilà. Hop. Que je vais mettre de l'extérieur. Ici, je vais quand même faire un petit truc de protection histoire que je me casse pas la gueule. Parce que je sens que bah je vais me casser la gueule comme beaucoup de fois d'ailleurs. Et j'ai plus de pelle de hache. Ah bah si, elle a encore tenu le coup. Ah mais allez, quand je dis ça évidemment, elle est infinie ou quoi? Bon bah là c'est pas possible. Ah voilà. Bon, j'ai pas fait exprès hein. Ah oui d'accord, allez, switch sur le. Ouais mais non, moi je veux pas ça. Hop. Donc on va les prendre rien du tout, on va faire une hop. On va faire ce qu'il faut, c'est-à-dire une hache, voilà. Hop là, une hache en pierre. Donc on est toujours à l'âge de pierre. Énorme blague. Donc voilà, on va récolter toute cette merde. J'ai plus de bouse évidemment, ça c'est chiant. Faudrait que j'en ai en réserve quand même, hein. Je vais aller vite en choper en réserve. Hop. On descend vite fait. Comme ça j'en ai et on n'en parle plus. Merci les lags. Oh mon dieu. Allez, arrête de laguer, c'est bon. C'est fini, on se calme. C'est fini, c'est tout. Donc on va revenir creuser là où on a commencé à creuser. Hop, on va continuer. Histoire de creuser un petit trou ici et d'aplanir. À la limite, on pourra peut-être faire quelque chose ici. Autant en profiter. Mettre au même niveau, on sait jamais. Donc voilà, hop, on aplanit. Voilà, je crois qu'avec tout ça, on aura assez. Ou pas, non. Oui, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Non, pas creuser vers le bas en fait. Si je dis que je vais égaliser. Donc ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est que à la limite, je vais récolter pas mal. Comme ça, je pourrais déjà commencer pour le blé et tout ça. Donc voilà. Alors oui, évidemment, c'est un petit peu plus long. Tiens, ça c'est une chauve-souris que j'ai entendu là. J'ai entendu une chauve-souris. J'ai oublié ça. J'ai oublié l'existence des chauves-souris. Alors bon, ah bah elle est là. Tiens, ça peut. Je savais pas que ça. Je pensais que ça sortait pas des grottes ce machin là, moi. Et si on la tue? Ah, le problème c'est que pour tuer cette bestiole là, ça n'attaque pas en plus, hein. Donc ça va pas se rapprocher de moi. Ah, et ça vole où, hein? Non! Non, viens ici! Non! Ah! Oui, meurs! Allez, c'est pas possible, je t'ai donné 4 coups de poing à une chauve-souris, c'est petit quand même! 4 bons coups de poing d'un clown killer, ça fait mal quand même, non? Ah, je vais t'attraper! Vilaine! Viens ici! Merde, je l'ai perdu de vue. Là. Oh, je la veux, je la veux, je la veux! J'ai rien droppé, ça va être le truc trop chiant. Vous savez quoi, je vais pas m'emmerder, je vais pas me la faire à la main. J'ai complètement oublié que l'existence de l'épée. Oh, purée, mais qu'est-ce que tu fous? Vilaine! Ah, mais elle va me pourrir la vie, hein. Moi, je la veux. Viens ici. Ah non, mais je m'en fous, hein, tant que je le. Tah! Oui. Non. Non. Oui. Yes. Je l'ai eu. Saloperie. Oh ouais, elle m'a rien droppé. Oh.
C'est vraiment de la saloperie. Bon, c'est pas tout ça, mais on va peut-être remonter. Par où je viens d'où moi? D'ici? Ouais, comme ça, ouais. C'est juste, je m'étais fait un petit chemin. Hop, 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 hop. Ouh! Ça me donne le tournis. Bon. Ben on a bien avancé, hein. Comme ça vous savez ce qu'on va faire dans les prochains épisodes. Et vous savez que ben voilà, on va faire du blé, donc de l'agriculture un petit peu mieux. Ben les arbres ils poussent mieux là, c'est cool. On a pas mal comment dire, de bois. On va dire qu'on a du bois en abondance, hein. Du bois en abondance. Oula, j'articule plus maintenant. Parce que bon, vu comment ça pousse, ça va quoi, c'est vachement correct. Hop, hop, voilà. Bon, bah je vais vous quitter ici alors. Hein, dans cet épisode, on aura agrandi la parcelle de caca. Donc, on aura rajouté du caca pour faire plus d'arbres. On a commencé le truc pour faire du blé. Et voilà, c'est tout en fait. On n'a pas fait grand-chose. Hein, mais enfin bon. Ma joue, je le fais un toujours pas baissé, ça c'est bien aussi. Et je vais vous faire un petit peu plus souvent parce que ça, un épisode par semaine, c'est peut-être un petit peu chiant. Je vais peut-être en faire deux par semaine. Donc voilà. À la semaine prochaine. Si je fais pas un épisode ce week-end, je vais voir. Demain, normalement, vous avez le premier épisode sur un jeu très nouveau. Hein, voilà. Je dis ça, à mon avis, tout le monde va deviner. Sur un nouveau jeu. Ceux qui me suivent sur Facebook et Twitter savent déjà tout le planning de la semaine normalement, sauf le week-end. Donc ils savent ce qui va sortir cette semaine. À part le week-end, je pense pas que j'ai dévoilé ce qui allait sortir ce week-end parce que tout simplement je ne le sais pas encore totalement. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Twitter pour avoir ce genre de nouvelles. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout pour me contacter si vous voulez au plus vite. Si vous avez besoin de moi ou quoi, si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre sur Facebook et Twitter. Et voilà, sinon, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire si ça vous plaît. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et ben, je vous dis à la semaine. Ah non, je l'ai déjà dit. À la fois prochaine pour une prochaine vidéo sur un autre jeu, je l'espère, parce que je fais beaucoup de Minecraft en ce moment. Donc voilà, salut tout le monde!